Eh bien salut tout le monde, c'est Rochard et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit tuto. Donc le tuto pour télécharger donc Battle Royale sur Arma 3. Donc je vais vous montrer un peu comment faire, c'est assez simple. Donc il faut déjà commencer par télécharger Play White 6, qui permet d'installer des mods pour Arma 2, Arma 3, DayZ et puis pas mal de jeux de ce genre. Donc il suffit d'aller à cette adresse qui sera dans la description, donc white6.com/download, et d'appuyer sur Download Play White 6. Donc voilà, ça va vous télécharger, etc. etc. Donc, moi je l'ai déjà, donc je vais pas le retélécharger. Ensuite vous allez installer, puis vous allez arriver sur ce genre de choses. Donc vous allez arriver sur Play White 6, l'accueil. Voilà, donc vous pouvez sélectionner les différents jeux que vous avez installés sur votre ordinateur. Et ensuite les mods donc, que vous pouvez installer et que vous allez installer. Donc les Royce pour ceux qui veulent voir un peu ce qu'il y a. Et puis il y a un tas de trucs, vous pouvez rajouter des véhicules. Et puis franchement un tas de trucs, je vous invite à aller voir de vous-même, vous verrez qu'il y a énormément de choses. Donc ensuite pour Battle Royale, donc, il suffit d'aller dans le lien que je vais mettre dans la description, donc play.white6.com/arma3/mod, etc. etc. Battle Royale download. Et donc vous allez arriver sur cette page. Donc là déjà vous n'allez pas arriver directement sur cette page. Exactement, je crois que vous allez arriver comme ça vous parlera un peu plus. Vous allez arriver sur cette page, il suffit d'appuyer sur download. Et une fois ensuite vous allez arriver sur cette page. Il faut bien que Play White 6 soit installé, au sens ça ne marchera pas. Et donc voilà, il va y avoir 5 secondes qui vont s'écouler et l'application, ils vont vous demander de lancer l'application, de ne rien faire. Vous lancez l'application et là directement vous allez dans White 6 et vous allez voir en allant dans vos modes en fait. Ici, normalement, il devrait avoir ce mode là qui va apparaître tout simplement. Il va apparaître ici, donc vous cliquez dessus et vous faites tout simplement install. Et ensuite vous regardez en bas à gauche ici et vous verrez que le mode est en train de s'installer. Pour moi là il est en cours d'installation, donc juste à cet endroit là. J'espère que vous voyez ma souris, normalement oui. Et donc le mode va s'installer tranquillement. Ensuite une fois qu'il sera installé, vous pourrez directement rejoindre la serveur Battle Royale, donc directement en jeu sur Arma 3. Voilà voilà. Je fais un mode que j'ai installé. Vraiment, je vous conseille pour tous les modes de jeu. Moi, je fais ce tuto exprès pour Battle Royale parce que je sais qu'il y a encore pas mal de personnes qui ne savent pas comment faire ou alors qui... Et puis, de toute façon, il y a pas mal de tutos. Je fais le mien en plus parce que ben, j'avais envie de le faire. Je m'ennuie un peu. Et voilà, tout simplement. Et donc, sinon, ben, vous pouvez vraiment chercher tous les modes possibles. Il y a une multitude de modes, de véhicules. Vous pouvez rajouter un peu tout ce que vous voulez, quoi. Les équipements, voilà. Tactical Bird, GPN, machin panoramique, Night Vision pour les Night Vision, il y a vraiment tout ce que vous pouvez espérer avoir sur le jeu, en tout cas tout ce qui est possible, les différentes îles comme Stratis, Altis, donc là il y a Imrali Island, ça c'est du terrain packing, Gorod Island, la plupart sont parfois créés par donc des utilisateurs comme lui, Evro Malakai qui a créé cette chose. Après il y en a d'autres qui sont créés par Arma directement, ou la plupart du temps c'est des utilisateurs qui créent. Et donc ben voilà, ensuite vous attendez que l'installation soit finie, et puis vous n'avez plus qu'à aller rejoindre un serveur Battle Royale que vous pouvez rejoindre. Normalement les serveurs sont verrouillés si vous n'avez pas le mode, et une fois le mode installé, ben vous pourrez tout simplement les rejoindre. Et voilà, tous les liens donc sont dans la description. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce tuto vous plaît, et puis à liker cette vidéo, ça la fera remonter en tête de classement effectivement. Et donc bah, je vous dis à une prochaine pour un nouveau tuto, pour de nouvelles vidéos et puis pour plein de nouvelles choses. Hein. Allez, salut tout le monde, prenez soin de vous.